Een heel goede avond. We sluiten vandaag onze reeks af over dictators van de 20e eeuw. Met het portret van een Afrikaanse tiran die zich spiegelde aan Napoleon, Jean Bedel Bokassa. Hij hielp zichzelf in 1966 aan de macht in de Centraal-Afrikaanse Republiek, met een coup tegen zijn eigen neef. En later kroonde hij zich tijdens een potsierlijke ceremonie tot keizer. Over de kroning maakten Jan van Rompuy en Wim Robrechts destijds een ophefmakende reportage. En later gingen ze de keizer opzoeken in een van zijn 7 Franse kastelen. 12 jaar lang regeerde Bokassa als een meedogenloze despoot. Zijn volk moest hem, zijn 17 vrouwen en 55 kinderen behandelen met keizerlijke egaars. Wie dat niet deed, werd misschien wel voor de krokodillen of voor de leeuwen gegooid. En volgens sommigen at Bokassa zijn tegenstanders zelfs op of liet hij ze serveren aan zijn nietsvermoedende eregasten. Terwijl zijn clan in walgelijke luxe leefde, vergleed de Centraal-Afrikaanse Republiek tot een van de armste landen ter wereld, ondanks de natuurlijke bodemschatten. Frankrijk had in Centraal-Afrika bedrijven veilig te stellen en hield de keizer de hand boven het hoofd. Tot Bokassa beschuldigd werd van massamoord op schoolkinderen. Toen moest president Giscard d'Estaing wel ingrijpen. De keizer vertrok in ballingschap, maar zoals zijn idool ooit terugkeerde uit Elba, keerde hij na 7 jaar terug naar zijn volk. Hij werd ter dood veroordeeld, maar kreeg gratie. En in zijn cel raakte hij zo in de ban van de christelijke mystiek dat hij zich de 13e apostel van Christus waande. En wij vertellen vanavond de historie van deze keizerkannibaal, Jean Bedel Bokassa. De vroegere sergeant van het Franse leger, Jean Bedel Bokassa, had voor niemand zo'n verering als voor Napoleon. Zijn opperste moment van glorie beleeft hij op 4 december 1977, als hij zich in Bangui, de hoofdstad van zijn Centraal-Afrikaanse keizerrijk, de kroon op het hoofd zet. Zo'n man wordt omgeven door een soort hofhouding die alles wat hij doet fantastisch vinden en die hem de hele tijd vleien. Dus die verliest, denk ik, alle kritische zin na enige tijd. Dat is vaak met dictators zo. 12 jaar lang voert de zwarte Napoleon een schrikbewind. Hij rooft het land leeg, laat tegenstanders folteren, vermoorden, aan de krokodillen gooien of, volgens sommigen, serveren als entrecôte. Hij heeft tuer des parents qu'il soupçonnait d'avoir comploté contre lui. Il a fait tuer des enfants, des nouveau-nés. Donc il n'y avait pas de limite à sa cruauté. Où est la preuve? Montrez-moi le film. Il faut montrer le film. Faut pas parler ou écrire. Il faut prouver. De Franse paras maken een einde aan de terreur. Bokassa wordt letterlijk en figuurlijk van zijn voetstuk gestoten. Hij wordt bij verstek ter dood veroordeeld, krijgt genade en eindigt zijn leven als de 13e apostel van Christus. Op het moment dat Bokassa de Eerste zichzelf tot keizer kroont, heeft hij een heel parcours afgelegd. Zijn levensverhaal begint in 1921 in Berengo, in de Franse kolonie Ubangé-Chari. Il a eu une jeunesse malheureuse dans un contexte de misère générale. Faut pas oublier que la Ubangé-Chari c'était une des colonies les plus pauvres de l'Empire français, vraiment perdue au milieu de l'Afrique centrale. Zijn vader, een lokaal stamhoofd, komt in opstand tegen het koloniaal regime en wordt door een Franse ambtenaar doodgeslagen. Een week later pleegt zijn ontroostbare moeder zelfmoord. Zij laat 12 wezen achter. De 6-jarige Jean Bedel wordt opgevoed door missionarissen. Op zijn 18e neemt hij dienst bij het Franse Vrije Leger en maakt tijdens de Tweede Wereldoorlog de bevrijding van Frankrijk mee onder het commando van generaal de Gaulle. Son admiration pour de Gaulle, c'est la même lignée que son admiration pour Napoléon. C'est une énorme admiration pour les grands hommes français et pour l'armée. Donc pour lui, Napoléon, c'était l'idole absolue. Et de Gaulle également, parce que c'était les libérateurs et les conquérants. Des hommes puissants, des hommes de pouvoir et des grands militaires. In de jaren 50 vecht Bokassa met de Franse troepen in Indochina en Algerije. Hij zwaait als enige Afrikaan af met de rang van kapitein. Voor de rest van zijn leven zal hij zijn vele militaire onderscheidingen blijven koesteren. De dood van zijn oom Barthélemy Boganda, voorvechter van de onafhankelijkheid, brengt hem terug naar het vaderland. Il rentre chez lui à titre de coopérant et
il a une augmentation en grade, il monte en grade très rapidement parce qu'on le prépare à de futures responsabilités. Après, il devient nécessairement une sorte de pion dans le jeu néocolonial. In 1964 wordt zijn neef David Daco president van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Maar de echte sterke man is de stafchef van het leger, kolonel Jean Bedel Bokassa. Na een staatsgreep komt hij, naar eigen zeggen, tegen wil en dank aan de macht. Ici chez nous, je peux pas faire le coup d'état parce que le président Boganda qui a fondé la République est mon oncle, le président Daco est mon cousin. Je ne vois pas la raison de faire le coup d'état alors que je suis dans un grand millier de familles. Seulement, quand ils ont voulu renverser le président Daco et qu'ils ne pouvaient pas le renverser parce que j'étais derrière le président Daco, ils ont décidé de nous couper la tête à tous les deux. Alors, comme j'ai les armes, il a fallu bien que je sauve la tête du président Daco et la mienne. C'est ce que j'ai fait. Hij stuurt Daco in ballingschap, laat zijn 10 gevaarlijkste rivalen terechtstellen en jaagt alle Chinezen het land uit. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Ils traitent les Africains de chiens. Colonel Bokassa, vous découragez pas. De eerste jaren gaat alles betrekkelijk goed. Bokassa wil meer zijn dan een despoot die met geweld zijn dominante positie heeft afgedwongen. C'était pas un dictateur fainéant au sens où il se désintéressait totalement des affaires d'État, passait sa vie dans sa résidence secondaire à faire autre chose. Il était extrêmement présent dans les affaires de l'État. On disait qu'il venait très tôt à son. Il était insomniaque en plus, il dormait donc très peu. Il dormait, je crois, 4 heures par nuit ou quelque chose. Et donc, il arrivait à son bureau, donnait des ordres, puis des contre-ordres, défaisait ce qu'il avait fait la veille, etc. Mais il avait une assiduité extrême à son, sur son lieu de travail. Oui. Hij verhoogt de diamant- en uraniumproductie, trekt investeerders aan, bouwt ziekenhuizen en scholen. Bangui krijgt de bijnaam La Coquette. Il met le pays au travail. Il crée des choses. Quand vous vous promenez aujourd'hui encore dans Bangui, tout ce qui existe comme bâtiment un tout petit peu particulier, un peu impressionnant, c'est lui qui l'a fait. Le problème, c'est qu'il a pris tout cet argent, il l'a emprunté sans jamais soucier de la manière dont il pourrait rembourser, etc. Na enige tijd circuleren de eerste verhalen over een verontrustend element van persoonlijke vreedheid. Il fouettait tout le pays en quelque sorte pour avancer. Au départ, c'était plus ou moins symbolique, ensuite c'était verbal avec des mots, et à la fin, on a commencé à frapper les gens, à leur couper les mains, et donc on est entré dans une spirale. C'est un peu comme le hamster dans la roue, il fallait courir toujours un peu plus pour ne pas perdre l'équilibre. Aanvankelijk weggelachen als een tropische schertsfiguur, krijgt Bokassa in het Westen de reputatie van een bloeddorstige moordenaar. Een reputatie die hij deelt met andere Afrikaanse potentaten zoals Mobutu en Idi Amin. Je crois qu'on l'a fait, on a comptabilisé le nombre de morts à un moment donné et on est arrivé à la conclusion qu'il en avait tué plutôt moins que la plupart de ses pairs de l'époque. Vous voyez, simplement lui quand il les tuait, il les mettait sur la place publique et puis il le disait à tout le monde. Niemand is veilig voor de barbaarse grillen van de president. Als hij te veel gedronken heeft, laat hij bedelaars oppakken en uit een vliegtuig in de rivier werpen. Dieven worden in het openbaar terechtgesteld. Sa façon de défendre les femmes, c'était de tuer tous ceux qui... Ça avait été d'exécuter tous les violeurs. Quand je dis qu'il essayait de faire le bien, ça ne veut pas dire qu'il y arrivait. C'était... Tout ça était fait à sa manière. Parades en uiterlijk vertoon maskeren de schrijnende armoede. Corruptie en incompetentie strijden om voorrang. De chef zuigt het land leeg. Geld voor ontwikkelingshulp gaat vooral naar de kassa van Bokassa. Il n'a aucune notion de comptabilité, il est pas analphabète, mais il est tout juste lettré. Il sait lire, écrire, compter, point à la ligne. Il a toujours mélangé totalement sa cassette personnelle et le budget de l'État. Zijn Franse beschermheren kijken toe hoe Bokassa zichzelf verheerlijkt. Maar zolang hij het niet te bond maakt en niet raakt aan de Franse uranium- en diamantconcessies, laten ze hem betijen. La France réagit avec un fond de racisme ou de conception des Africains où un chef africain est vu quand même comme un peu un roi nègre. On en rit, on trouve ça parfois
méprisable, répugnant, mais en même temps, on ne s'en mêle pas, et tant qu'il est utile, il reste, comme disait Lénine, l'idiot utile qu'on utilise, et après tout, c'est un bon bougre, avec lui, on sait ce qu'on a. Na 6 jaar gaat Bokassa's grote wens in vervulling. Hij mag in het Élysée op bezoek bij zijn grote held, generaal de Gaulle, die hij vader noemt. De Gaulle en privé lui a dit, écoutez, Bokassa, arrêtez de m'appeler père, c'est ridicule, maintenant vous êtes chef d'État, etc. Et lors des visites suivantes, à chaque fois, il l'appelait papa. Donc ça s'est aggravé. Et de Gaulle avait énormément de mal à le convaincre que c'était ridicule. De dood van de Gaulle is voor hem een zware klap. Tijdens de begrafenisplechtigheid in Colombelles les deux églises snikt hij onbeheerst papa. Al gauw blijkt dat het strenge vaderlijk gezag van de generaal de laatste rem op zijn excessen was. In 1972 benoemt Bokassa zichzelf tot president voor het leven. Daarbovenop kent hij zich 32 onderscheidingen toe, waaronder die van eerste ingenieur, eerste landbouwer en eerste voetballer van het land. Op een gegeven moment was hij 14 keer minister, lui-même, en plus d'être chef des armées, maréchal, président, père de la nation, etc. Il se prend au jeu et finalement, dans un environnement où personne n'ose lui tenir tête, il entre totalement dans le décor et il succombe à la flatterie, il se prend véritablement pour une sorte de version tropicale de Napoléon, peut-être doublé du génie d'Alexandre le Grand et un brin philosophique par-dessus le marché. Il le croit sincèrement, on le flatte, il succombe à la flatterie et ça devient ce bouffon et le bouffon devient de plus en plus cruel. Zijn hang naar pracht en praal komt steeds duidelijker aan de oppervlakte, onder meer bij het huwelijk van de twee Martines. Zijn natuurlijke en zijn aangenomen dochter. Kort na zijn aantreden gaat hij op zoek naar een van de 16 kinderen die hij tijdens zijn legerdienst in het Verre Oosten heeft verwekt. Uit een stapel foto's heeft hij een 17-jarig halfbloedmeisje gekozen. Zij blijkt echter geen dochter van hem te zijn. Die duikt een maand later op. Genereus adopteert Bokassa de twee Martines. Allebei mogen ze trouwen met groot ceremonieel. Le président à vie de la République centrafricaine offrait à cette occasion une soirée de gala en l'honneur des deux Martines, dont les mères sont vietnamiennes, et de leur mari, le docteur Jean-Bruno Dédé Avodé, et le capitaine Fidel Obrou. Le chef de l'État remercia ses invités de leur présence et formula ses vœux personnels de bonheur aux jeunes époux. Un joyeux bal ouvert par les deux couples, et auquel les présidents ont volontiers participé, a terminé cette brillante soirée. Later vallen de twee Martines in ongenade. In 1962 is Bokassa zelf getrouwd met de jonge Française Anita van Erp. Het is zijn eerste, maar niet zijn laatste huwelijk. Il a eu, je crois, 17 femmes et 54 enfants, grosso modo, sans compter les maîtresses et les enfants illégitimes. Il a la croyance que pour avoir le pouvoir de quelqu'un ou pour intégrer le pouvoir d'autrui en soi, il faut avoir possédé sa femme. Et donc, il possède beaucoup de femmes et il a beaucoup de pouvoir. Et plus il a de pouvoir, plus il a de facilité. Donc, c'est un peu un perpétuel mobilier qui s'entretient. Vous écoutez Bangui, la voix de l'Empire centrafricain. Des communiqués annonçant plusieurs réunions, les rues pavoisées aux couleurs nationales, les bâtiments repeints de vives couleurs, des slogans lumineux indiquent aux invités que l'Empire centrafricain, notre beau pays, et le peuple centrafricain uni dans le Messane, notre parti unique, attendent avec fermeté le grand événement du 4 décembre, date du couronnement de Sa Majesté impériale, Bokassa Ier, empereur de Centrafrique. Terwijl Bangui in een feestroes leeft, volgt men in Europa de gebeurtenis met gemengde gevoelens. Het vooruitzicht van een uitzonderlijke reportage brengt Jan van Rompuy en cameraman Wim Robrechts naar Bangui. Per bladers was L'Express in Frankrijk en zo begonnen toch al wat die plechtigheid te relativeren. En die vreedheid zat er al in, de onmetelijke verkwisting eigenlijk ook. Dus dat was voor ons een reden om te gaan. Zowel de voorbereiding van het feest als de kroning zelf leveren verrassende beelden op die via de BRT de wereld rondgaan. Op de moderne luchthaven van Bangui
landt een DC-8 met een merkwaardige vracht. De keizerlijke ruiterij die in Frankrijk werd getraind en de keizerlijke paarden die in Normandië werden gefokt. Vrachtvliegtuigen vlogen op die manier 35 paarden over. Naast die volbloeden worden uit alle delen van Europa ook specialisten overgevlogen die samen met de lokale bevolking het welslagen van de feestelijkheden moeten verzekeren. Tijdens de algemene repetitie worden ook meer dan 100 auto's aangevoerd, 300 koelkasten, 250.000 kilo culinaire delicatessen, een gouden koets en 2 vliegtuigen met bloemstukken en vuurwerk. Dit alles tot meerdere glorie van de keizer. Over de verspilling en de gruweldaden van de keizer wordt uiteraard niet gesproken. Mensen waarmee wij praten, die deden alsof ze van niks wisten. Ik denk dat, dat de terreur wel zodanig was dat daarover gezwegen werd. We hebben wat ook geprobeerd. We kregen alleen maar lofbetuigingen. Hè? Hoe is hij als mens? Oh, steeds heel cordiaal, heel vriendelijk. Men kan met hem openhartig spreken. Ja. Zonder problemen, zelfs nu, zonder protocol, zou ik zeggen. De wereld kijkt verbijsterd toe als de flamboyante president zich op 4 december 1977 met de zege van Frankrijk tot keizer kroont. Dat gebeurt tijdens een plechtigheid die geïnspireerd is op het beroemde schilderij van David, de kroning van Napoleon. Het heeft er iets trotserig allemaal, hè? Zoiets iets decorachtig. En hij moest zichzelf kronen natuurlijk. Ja, er was niemand hoger in graad. Omdat de pauze niet was, dus heeft hij zich maar zelf gekroond. Ja. De firma Giselin, die Napoleons statiekledij heeft geborduurd, moet voor Bokassa 13 uniformen maken. Plus een mantel van hermelijn met een 12 meter lange sleep. Die mantel is afgezet met 785.000 parels en meer dan 1 miljoen kristallen kralen. De kroon bevat een diamant van 138 karaat en is 2 miljoen dollar waard. Zijn 28-jarige lievelingsvrouw, Catherine, wordt keizerin. De jongste van hun 7 kinderen, Jean Bedel junior, wordt kroonprins. Meer dan ooit kan Bokassa zeggen, l'état, c'est moi. Le mystère, ce n'est pas que Bokassa se reconnaisse dans l'épopée napoléonienne, mais qu'il ne se trouve personne, ni autour de lui à Bangui, ni sur la sphère internationale, à le prendre un jour entre quatre yeux et lui dire « ça, tu ne peux pas le faire ». Die man meende het allemaal voor zichzelf. En die is omgeven door een grote horde ja-knikkers. Natuurlijk was die man toen al gewoon krankzinnig volgens mij. Ik zal nooit vergeten die hele mooie paarden die de karos moesten trekken. Die werden uitgeladen en dat waren wondermooie Franse volbloeden. En daarvan waren er, ik denk, de dag van de kroning zelf al een paar gestorven. En na de kroning zijn die ook meteen opgegeten. De plechtigheid kost 25 miljoen euro en staat in schril contrast met de armoede van Bokassa's onderdanen, die per jaar gemiddeld geen 250 euro verdienen. Voor keizerin Catherine is de plechtigheid een beproeving. Zij heeft dit gekostumeerd bal nooit gewild, zegt ze jaren later. Ondertussen worden heel wat buitenlandse adviseurs financieel beter van Bokassa's grootheidswaan. Geen enkel Westers staatshoofd is op de kroning aanwezig. Ook Bokassa's vrienden, Gaddafi en Mobutu, geven verstek. In het Rijk zelf is niet iedereen even gelukkig met de show. Alle werkende onderdanen van de keizer hebben hun weekloon, 5 euro, moeten afstaan voor de kroning. Jaren later zal Bokassa de kostprijs tegenover Jan van Rompuy en Wim Robrechts minimaliseren. Ils n'ont pas coûté cher à mon pays, ils ont coûté cher à tous les pays. Votre pays y a participé. Tous les pays du monde entier ont participé. Comment? Mais financièrement, vous aviez votre ambassadeur là-bas dit tous les pays ont contribué. La Belgique n'a pas échappé. Si on avait donné tout ce que cela avait coûté aux pauvres, c'était quand même une bonne idée. Ce n'est pas possible. Pour sauver un pays, il faut le présenter à la face du monde. Et le couronnement était l'occasion de... De faire connaître le pays. Oui. Et ensuite, développer le tourisme. Het eerste staatsbezoek van Bokassa de Eerste gaat naar Frankrijk, waar Giscard d'Estaing hem alle honneurs bewijst. De volgende jaren overlaat de keizer de Franse president met attenties en die laat het zich wel gevallen.
Zo wordt cousin Valérie twee keer per jaar door Bokassa uitgenodigd op olifantenjacht. De vriendschap met Frankrijk levert de keizer heel wat fondsen voor ontwikkelingshulp op, die hij prompt op zijn Zwitserse bankrekening overschrijft. In Parijs spendeert keizerin Catherine miljoenen aan haute couture. In eigen land groeit het verzet, maar Bokassa laat elke oppositie in bloed smoren. Il a fait tuer des parents qu'il soupçonnait d'avoir comploté contre lui. Il a fait tuer des enfants, des nouveau-nés. Donc il n'y avait pas de limite à sa cruauté. Pas als Bokassa eigenhandig een Britse journalist aftuigt, begint er internationaal wat te roeren. Michael Goldsmith wordt een onrechte beschuldigd van spionage voor Zuid-Afrika. And without any questioning or attempt to engage in dialogue with me, the emperor just lifted his big stick and brought it down on my head and beat me to the ground and then kicked me from the, all the people that were with him kicked me into unconsciousness, leaving me with some rather nasty injuries. And I became unconscious and didn't wake up until the following day in a cell. And then I stayed there for 4 weeks, wearing only my shorts, handcuffed, very often with chains on my feet, with these injuries becoming very rapidly infected, not very much food, and the conditions were really very bad. In mei 1979 meldt Amnesty International dat Bokassa 100 studenten in de gevangenis van Bangui heeft laten doden. Zij hebben geprotesteerd tegen het feit dat de keizer hen verplicht dure in zijn fabrieken gemaakte schooluniformen te kopen. Donc on a entassé dans des conditions absolument inhumaines tous ces jeunes dans les prisons. Il y a eu d'ailleurs des témoignages l'un d'entre eux ultérieurement et je crois que c'est une vingtaine de ces jeunes ont péri par étouffement pendant les 24 heures ou quelque chose qu'ils ont passé là-bas. 80 dans une pièce de 8 mètres carrés, enfin c'était absolument... Ils ont donc étouffé. Il y a eu 26 morts. On n'a jamais eu la preuve formelle que Bokassa personnellement s'y soit rendu. Il y a eu effectivement des morts, mais pas avec les étudiants. C'était donc deux quartiers, trois quartiers qui avaient pris place des étudiants, parce que les étudiants se sont retirés. Et ces quartiers sont armés de sagaies, de couteaux, de lances, de toutes sortes de ce qu'ils pouvaient avoir pour lutter contre les forces de l'ordre. Ils ont donc lutté contre les forces de l'ordre. Ils ont fait des morts du côté des forces de l'ordre et des blessés. Et de leur côté, il y a eu 13 morts. Il y a eu une première déclaration confirmant cela. On constate, si on relit aujourd'hui, le rapport d'Amnesty, puis le rapport d'enquête, que c'est mal fait, d'un point de vue purement professionnel. On parle de quasi-certitude, qu'est-ce que c'est? Soit on est sûr, on n'est pas sûr. La quasi-certitude, ça ne veut rien dire. On parle d'une centaine de morts, on sait que c'est faux. Et donc, je pense tout simplement que la coupe était pleine. Aan de vriendschap met Frankrijk komt een einde. Op de Afrikaanse top in Kigali distancieren ook alle Afrikaanse leiders zich van hun collega. Giscard start de operatie Barracuda tegen zijn vroegere vriend. Il est vraiment le paria de la famille franco-africaine. Et à ce moment-là, la France peut intervenir et planifier son opération pendant l'absence du président empereur qui se trouve en Libye. Operatie Barracuda, geleid door Franse paracommando's, brengt de uit ballingschap teruggekeerde David Daco opnieuw aan de macht. Si je vous disais toute la vérité, l'empereur Bokassa a appris que je préparais un coup d'état et il a préparé mon assassinat à Paris. In Bangui haalt het volk Bokassa de eerste ook figuurlijk van zijn voetstuk. De gevallen keizer vlucht naar Frankrijk om zijn zaak te bepleiten bij Giscard, maar die laat hem in de steek. Pendant 12 ans, il a été mon ami. Puis alors, il m'a trahi parce que il a fini par se jeter sur moi comme un loup. Il a réquisitionné toutes mes fortunes placées en économie dans les banques. Il a pris mes biens. Verguisd in eigen land vraagt Bokassa asiel in Frankrijk, maar dat wordt hem geweigerd. Ondanks zijn Franse paspoort, zijn Légion d'honneur en zijn onberispelijke militaire conduite staat. Terwijl Catherine met een dozijn kinderen haar intrek neemt in een van hun 7 Franse kastelen, vertrekt Bokassa met zijn privévliegtuig naar Ivoorkust bij president Houphouët Boigny, die hem verwelkomt met de woorden: Tu es là mon fils, Dieu est grand. Bokassa krijgt een Ivoriaans paspoort dat als beroep ex-keizer vermeldt.
Marie-Suzanne, een lokale schoonheidskoningin, wordt zijn 18e vrouw. In zijn memoires neemt hij verbitterd weerwraak op Giscard. Voor een rien. Giscard d'Estaing avait envoyé l'opération Barracuda, les troupes françaises, mais chassé du pouvoir. J'avais déposé les armes, j'avais abdiqué pour sauver mon peuple. Bocassa's onthullingen over diamanten die hij Giscard cadeau heeft gedaan, zorgen in Frankrijk voor grote opschudding. Volgens het satirisch weekblad Le Canard Enchaîné heeft de Franse president van Bocassa voor zo'n 25.000 euro diamanten gekregen. Lui qui a reçu de nombreux diamants que je lui ai donné. Bon, je ne parle pas de ce que j'ai donné à sa femme Anémone qui m'a rendu visite en 24 heures à Bangui et que j'ai donné de somptueux cadeaux en diamants. Anémone n'a jamais dit mot. Et on dit en français qu'il ne dit mot consent. Puis Bocassa avait l'habitude de distribuer, ce n'était pas les siens, c'était toujours pareil, des plaquettes de diamants à ses hôtes de marque. C'était un peu des brillants, je crois, des petits diamants, des choses de pas très grande valeur. Enfin, ça a quand même une valeur, hein, bien sûr, mais pas de très grande valeur. On avait aussi retrouvé lors de l'enquête les gérants de ces différentes industries diamantifères, etc. Et il semble à peu près avéré que, bien sûr, Valéry Giscard d'Estaing a reçu, et aussi des membres de sa famille, ce type de plaquettes de diamants. Ook Roger Delpay, vriend en vertrouwensman van Bocassa, legt documenten voor die moeten bewijzen dat Giscard wel degelijk diamanten heeft gekregen. Na lang zwijgen geeft de Franse president voor de televisie de hoogst nodige uitleg. Chef de l'État, je donne et je reçois des cadeaux officiels. La seule vraie question, c'est celle que vous m'avez posée, c'est qu'est-ce que j'en fais? Je ne demande de cadeaux à personne. Ces cadeaux, ils sont, sans que je m'en occupe pour vous le dire, apportés à l'Élysée, ils y sont conservés et ils n'en sortent que pour deux usages. Soit qu'ils soient attribués à des œuvres de bienfaisance, soit lorsqu'ils ont un intérêt à cet égard, ils sont remis à des musées. À la question que m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu, j'oppose un démenti catégorique et j'ajoute méprisant. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Si M. Giscard n'avait pas reçu des diamants, s'il ne les avait pas gardés, parce que le problème est qu'il les a gardés, qu'il n'en a pas donné au musée, qu'il n'en a pas donné aux œuvres de bienfaisance. Et maintenant, il commence à dire qu'il va les donner à la fin du septennat. Bah, c'est de la charité à distance. Uiteindelijk wordt Le Canard veroordeeld tot een symbolische frank. Le tribunal est resté au niveau de l'énoncé d'une suspicion. Mais Valéry Giscard d'Estaing est meurtri de cette campagne. Je pense qu'il y a lieu de l'être. François Mitterrand wint de presidentsverkiezingen. Bocassa krijgt de toelating om zich in het kasteel van Adricourt te vestigen. Catherine is intussen definitief vervangen door Marie-Suzanne, die Bocassa's 55ste kind verwacht. De keizer wil met zijn gezin zo snel mogelijk terug naar Bangui. Chef d'État ou pas chef d'État, il faut que je rentre, parce que c'est mon pays. Parce que là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes enfants, j'ai toute ma famille et j'ai ma terre à travailler. Regardez Adricourt, qu'est-ce que je peux faire ici comme culture? In de Centraal-Afrikaanse Republiek is Bocassa bij verstek ter dood veroordeeld. Tijdens het proces vertelt een paleiskok over de koelkasten waar de lijken aan vleeshaken werden opgehangen. Hij moest voor Bocassa mensenvlees klaarmaken dat aan de eregasten werd geserveerd. De keizer ontkent. Il faut pas parler ou écrire. Il faut prouver. Faut des preuves. Faut des preuves. Oui. Ce que je vous demanderai, c'est un service, c'est-à-dire me montrer la preuve du cannibalisme. Oui. Parce que c'est un mot complètement ignoré de moi. Oui. Je ne connais pas. Un cuisinier a témoigné au procès. En disant qu'il avait cuisiné de l'humain pour Bocassa. Ce cuisinier, moi, quand j'ai travaillé longtemps à Jeune Afrique, m'avait contacté parce qu'il souhaitait que je vienne recueillir son témoignage pour raconter comment il avait menti, justement. Donc, on avait déjà, nous, la certitude que ce monsieur, qui s'appelait Philippe, je crois, avait menti parce qu'on lui avait demandé. Bocassa n'était pas anthropophage. Bocassa, et c'est presque un peu tragique de le dire, était beaucoup trop
occidental, trop français dans toute son éducation. Il n'existe aucune preuve, même pas un indice sérieux pour affirmer qu'il l'était. Et finalement, il a été aussi acquitté sur ce point. Il n'y a jamais eu d'écart de corps humain dans ses frigos, comme cela a été dit. Maar er zijn andere gruweldaden. De Britse journalist Michael Goldsmith vertelt over cellen waar Bokassa's slachtoffers aan de leeuwen werden gevoerd. The keeper of the lions was caught stealing the lions' first-class beef, taking it home to his family. So they put him on trial, and Bokassa had him sentenced to be thrown to the lions. And they threw him in the cage there, and the next morning he was unharmed because the lions knew him and didn't touch him. So Bokassa threw him to the crocodiles the other side, and they didn't have any hesitation. La vie d'un être humain n'avait pas la valeur normale pour lui, était capable dans sa colère d'aller très loin jusqu'à l'homicide sans aucun problème, et sur une inspiration, un raptus, capable de jeter quelqu'un aux animaux sauvages, certes. In Adricourt brengt de ex-keizer zijn dagen door in gedwongen ledigheid. Hij mag zijn kasteel, maar niet het land verlaten. In een somptueus decor, volgesteld met foto's, schilderijen en herinneringen aan zijn grote idolen, mijmert hij over zijn vroegere grandeur. Zonder enige garantie dat de keizer hen een audiëntie zal verlenen, gaan Jan van Rompuy en Wim Robrechts hem voor terloops opzoeken met een tape van de kroning. Niet toevallig had ik mijn perskaart van tijdens de kroning mee. En we hebben die toen door een kier van de deur gegeven aan een man of iemand van de familie of een bediende. En dan even later kwam het antwoord dat de keizer ons uitnodigde voor het drinken van een glas champagne. Bonjour. La télévision belge, l'émission Terloops. Enchanté. Comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue et je vous dis tout de suite que je vais très bien. Ik zag daar niet de type Bokassa in waar wij over gehoord hadden. Niet de menseneter, niet de man die mensen liet in gevangenissen gooien en ze vervolgens voor de leeuwen of de krokodillen gooide. Het was een wat bedroefde man die veel van zijn glorie kwijt was. De keizer wil in het gezelschap van zijn gasten de mooiste dag van zijn leven graag nog eens bekijken. Ik denk dat zijn natuurlijke ijdelheid hem ertoe dreef om die reportage te willen zien. En toen was het ijs gebroken, want vanaf toen mocht opeens alles. Bokassa klaagt zijn nood. Hij wordt niet alleen beknot in zijn vrijheid. Hij moet met zijn groot gezin overleven op een militair pensioen van nog geen 1000 euro per maand. Vous n'êtes quand même pas pauvre. Je le suis. Depuis 5 ans, je ne peux rien faire, rien agir. Tout ce que je fais, c'est confisqué par le gouvernement. Les châteaux comme celui-ci, ça c'est le plus petit. Mais j'ai 2 grands châteaux. Je voudrais au moins soit vendre les 2 ou en vendre 1. Parce que aujourd'hui, devant l'histoire que je traverse, je n'ai pas le droit de garder beaucoup de châteaux. Maar het intérieur stond wel vol met adelaars. Op de glazen, op de zetels, overal was goud, bladgoud en zo verder. Maar dan keken we in een keuken binnen langs de gang. En dat is een keuken met een neonlamp en een plastic kleed over de tafel. Dus dat was eigenlijk allemaal verdoken armoede. Hij beschouwde zijn verblijf in Frankrijk maar als een tijdelijk verblijf. En zijn doel was om terug te gaan en daar terug keizer te worden. Je voudrais simplement vous prier de regarder la couleur de ma peau. Je ne suis pas français, je suis un Africain. De plus, un empereur de Centrafrique. Et pour moi, c'est une obligation formelle de rentrer dans mon pays. Coûte que coûte, par tous les moyens. Oui, et on vous a condamné à mort. Pas du tout. C'était le jeu de Giscard, mais puisque Giscard n'est plus chef d'État, cette thèse n'existe plus en Centrafrique. Les Centrafricains attendent mon retour. Ondanks een ter dood veroordeling besluit Bokassa in 1986 naar Bangui terug te keren. Hij denkt daarbij aan de terugkeer van Napoleon uit Elba. Il rêve donc de son pays, du retour, et il pense aussi que finalement le pays va se soulever et il aura une renaissance. Et lui-même, comme un phénix des cendres, va renaître et avec lui va renaître le pays. Er komt een nieuw proces dat 7 maanden duurt. Bokassa wordt verdedigd door 2 Franse advocaten. De ex-keizer heeft goede hoop op een goede afloop.
La question lui a été posée si Bokassa a participé lui-même au massacre. Le président de la commission a dit non. Het requisitoor van de openbare aanklager is vernietigend. Hij acht Bokassa schuldig aan alle feiten behalve cannibalisme. Je crois alors on ne peut pas trouver une autre condamnation à l'encontre de Bokassa. Je crois que c'est la sanction. C'est la sanction la plus extrême. Monsieur, c'est la peine capitale. Bij het bepalen van de strafmaat volgt de rechtbank de eis van de openbare aanklager. Condamne Jean-Bédel Bokassa à la peine de mort. Bokassa wordt een tweede keer ter dood veroordeeld, maar president André Kolingba zet het verdict om in een gevangenisstraf van 20 jaar. J'ai assisté au procès et je dois dire que c'est un grand moment parce que même si l'essentiel a été réglé politiquement, même si on savait que à la fin il n'allait pas être exécuté, qu'il allait être gracié, et c'était un moment de vérité judiciaire en Afrique. Na 7 jaar cel krijgt Bokassa gratie. Hij heeft intussen het goddelijk licht gezien. Ma cellule était la plus belle parce qu'elle était peinte. Elle était peinte en blanc, en ocre, comme cette peinture-ci. Et j'avais les images de Vierge Marie, les images de Jésus collées au mur. Et puis j'avais un meuble, un placard, pour ranger mes livres de prière. Et il a peu à peu appris par cœur la Bible et il a fini par être convaincu qu'il était donc le 13e apôtre du Christ. Bij zijn vrijlating in 1993 mag hij zijn intrek nemen in een van zijn vroegere residenties, de Villa Nasser. Hij geeft er de hele dag audiënties. Bij voorkeur aan de vele vrouwen die voor hem in de rij staan. Bokassa, die zich ooit kortstondig tot de islam bekeerde, is nu helemaal in de ban van de christelijke mystiek. J'ai été élevé à la dignité d'apôtre de la paix par le pape Paul VI. Il disait la messe devant cette croix de Paul VI. Et donc, quand on allait le voir, on était obligé de lire la Bible. Moi aussi, j'ai lu la Bible, etc. Et ensuite, il était à nouveau très bon vivant, aimant bien boire du vin, bien manger, etc. Essayant de séduire toutes les femmes qui passaient à sa portée. Quand vous êtes l'apôtre, tout est permis. Vous pouvez appeler n'importe quelle autre autorité votre enfant. Vous pouvez approcher n'importe quelle femme. Il est resté malin jusqu'au bout. Catherine heeft hij definitief verstoten. Hij beschuldigt haar van incest en beweert dat ze met Giscard en met Chirac een verhouding heeft gehad. Depuis novembre 1979, Chirac avait demandé à Catherine d'être sa maîtresse. Catherine avait donné son accord. Catherine était venue m'en parler lorsque j'étais en prison en Côte d'Ivoire. J'ai dit à Catherine, il faut accepter Chirac. Si Chirac veut que tu sois sa maîtresse, accepte-le. C'est un gaulliste. Enfin, moi, il m'écrivait 2 lettres par jour où il raconte que j'ai gardé, qui sont amusantes comme ça, mais les incestes, des histoires absolument atroces d'inceste, de coucherie, de ceci, de cela, mais je crois qu'il disait n'importe quoi. In juni 1996 is Bangui na een nieuwe staatsgreep eens te meer het schouwtoneel van ongeregeldheden. Winkels worden geplunderd, gebouwen vernield. Bokassa ziet het aan met lede ogen. Zijn opvolgers hebben het verknoeid. Met hem was alles zoveel beter. Les fonctionnaires ne sont pas payés, les retraités ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées aux étudiants. Ce qui n'était pas le cas lorsque j'étais au pouvoir. J'avais conduit ce pays pendant 14 ans et 9 mois. Et je l'avais bien conduit parce que j'avais créé la radio, la télévision, l'aéroport. Tout ce que vous pouvez voir ici dans le pays, ça a été créé par moi. In de puinhopen van zijn vroegere keizerrijk wacht Christus 13e apostel op de dood. Hij is bijna volledig blind, heeft syfilis, een hersentumor en hartstoornissen. La prison ne lui a pas fait du bien, même si ce n'était pas cruel, mais c'était la prison quand même. Pour lui, c'était très très dur. C'était aussi par moments humiliant. Zijn laatste dagen slijt hij in het gezelschap van zijn 18e vrouw Marie-Suzanne, hun dochter Nicole en zijn zoon Jean-Charles. Dans cette villa immense, il n'y avait plus un seul meuble. Quasiment plus d'électricité. Enfin, c'était assez vraiment, vous voyez, assez tragique. Enfin, tragique. C'est la vie, mais ça avait vraiment un côté comme ça, assez pathétique. Et c'est là qu'il est mort.
Het einde komt op 3 november 1996. Jean Bedel Bokassa overlijdt op 75-jarige leeftijd aan een hartaanval. In een bloemrijk in memoriam omschrijft de Centraal-Afrikaanse Omroep de keizer als een roemrijk staatshoofd. 10 jaar eerder noemde dezelfde radio hem nog de menseneter van Berengo. Vous écoutez Bangui, la voix de l'Empire Centrafricain. Bokassa's ontelbare vrouwen, minnaressen, kinderen en kleinkinderen leven vandaag verspreid over Europa en Afrika. De meeste van hen in de grootste armoede en in de hoop dat het Zwitserse miljardenfortuin van de keizer hen ooit als erfenis zal toevallen. Volgende week beginnen we met de serie Fatale Passie. We vertellen over geliefden van extreemrechtse leiders die hun minnaar trouw bleven tot de dood. Het eerste luik is een portret van Eva Braun. De charmante Beierse Eva wordt in 1932 de maîtresse van Adolf Hitler. Ze is 23 jaar jonger dan de Führer en kwam al als meisje in zijn ban. Op de Berghof, Hitlers Alpenresidentie, is zij de gastvrouw. Tenminste voor de intimie, want officieel behoort de Führer geheel toe aan zijn volk. Eva speelt met tegenzin verstoppertje, maar ze koestert zich in de luxe terwijl haar minnaar de wereld in een gruwelijke oorlog stort. Eva zelf interesseert zich niet voor politiek. Op 30 april 1945 plegen ze samen zelfmoord. Vlak voor hun Berlijnse bunker in handen van de geallieerden valt. Een dag voordien zijn ze nog getrouwd. Wie was de vrouw die het dichtst stond bij Adolf Hitler? Haar historie vertellen we volgende donderdag. Heel graag tot dan. Betaal niet te veel om eigenaar te worden. Met het woonkrediet van Fortisbank. Wie een foutje maakt, moet op de blaren zitten.